Salut tout le monde, c'est AK36CW pour un nouveau walkthrough. Cette fois-ci, ce sera sur Half-Life 2 épisode 1, c'est-à-dire la suite directe des événements d'Half-Life 2. Il n'y a rien de vraiment notable à préciser, si ce n'est qu'il est extrêmement plus court qu'Half-Life 2, donc je vais directement commencer une nouvelle partie. Docteur Freeman, répondez si vous le pouvez. Vous avez tant détruit, mais dites-moi, qu'avez-vous créé exactement? Pouvez-vous citer une seule chose? Non, vous ne pouvez pas. Gordon! J'étais si inquiète. Hé, hey, le pistolet! Donne-le à Gordon. Regardez, Gordon. Chien est content de vous voir. Ça se voit. Ok, chien. Va installer l'écran pour communiquer avec papa. Il doit être très inquiet. Il pensait que je ne vous trouverais pas ici. La citadelle tombe en ruine. Je sais toujours pas comment on s'en est sorti. La dernière chose dont je me souviens, c'est la chute de Bryn, une grosse explosion et les voix des Vortes. Et puis, Chien m'a sorti des décombres. C'est tellement étrange. On devrait... C'est mon père, père! Ça fait des heures qu'on essaie de le joindre. Quand il saura qu'on vous a trouvé. Entre, Valérie. Papa, tu es là? Alex? Alex, entre. Attends, il y a des interférences. Chien, aide-moi un peu avec ça. Ok. Un peu plus à droite. Ça y est. Stop! C'est bon. Papa. Alex, où es-tu? Tu es hors de la ville. Pas tout à fait, papa. Quoi? Mais on l'a trouvé. Tu as trouvé Gordon? J'y crois pas. Écoute, vous devez tous les deux quitter la ville. La citadelle peut exploser n'importe quand. Elle va effectivement exploser, j'en ai bien peur. Nos capteurs à distance indiquent que le processus s'accélère vers un feu d'énergie vide. Easy. Toutes les personnes restées dans les environs subiront des événements énergétiques Isaac, dont les effets plaît. Sont hors de mes pouvoirs de spéculation. Les ravages sur le matériau cellulaire sont... Kleiner, non! Papa? Oh mon Dieu, je suis désolé, Ellie, mais nul besoin de s'alarmer, n'est-ce pas? Alix est totalement hors de danger, maintenant. On n'est pas encore sorti de la citadelle. Comment, mon Dieu? Nous n'avons plus le temps! Le noyau va bientôt fondre!
Impossible de s'éloigner suffisamment sans d'abord... Eh bien, seule une intervention directe dans le noyau pourrait peut-être retarder la réaction. C'est-à-dire entrer ? Dans le noyau, oui. Mais c'est bien trop dangereux. La chambre va être inondée de radiation. Bah, vous avez la combi CEH. Si on arrivait à rentrer dans la citadelle, on pourrait... Alex, non ! Mais papa ! Izzy, essaie un peu de la raisonner. Désolé, Ellie, mais je ne vois pas d'autre moyen. On pourrait évacuer plus de citoyens. Papa, on peut le faire. Ok, Alex. Ok, ok. Promets-moi juste... Promets-moi seulement que tu ne prendras aucun risque inutile. Je te le promets. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Je prierai pour toi. T'en fais pas. On se revoit bientôt. T'en fais pas. Essayons de trouver un accès à la citadelle en suivant l'enceinte. Chien, tu peux m'aider ? Merci. Remballe ça et rejoins-nous sur la partie la plus éloignée. Waouh ! Quel gouffre ! Après vous, Gordon. Tu restes avec nous. Et à nous au bout d'un chemin. Dire qu'on essaie de retourner dans cet endroit, ça va pas être facile. Eh bien, chien, qu'en penses-tu ? T'as une idée ? Ok, chien. Ça nous aide pas. Il doit y avoir un moyen de passer. Mais comment ? Mais que ? Chien ? Chien, tu vas où ? J'ai dit quelque chose de mal ? Hein ? Chien, mais qu'est-ce que ? Chien a besoin qu'on lui resserre des boulons. Attention ! Chien, c'est vraiment pas passé loin. Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu crois vraiment que ça va nous aider ? Attends. Ah non. T'es pas sérieux. Si ? Eh bien, Gordon, si vous n'avez rien d'autre à proposer, c'est un robot, il a compris. Tu as bien compris. Ouais. Je veux que tu sortes d'ici, aussi vite que possible. Va chercher papa. On te retrouvera, t'en fais pas. Allez, ça va aller. Tu vas me manquer. T'en fais pas, on va se revoir bientôt. Montez du côté passager. Préparez-vous, Gordon. Allez.
Allez, chien, on y va. Avant que je ne change... Ok. Attention, tenez bon. Oh. Ah. Fou. Ah, bien lancé, chien. Allez, mon chien, vas-y, ça va aller. Il faut... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh. Une seconde. Oh. Oh. Avant la prochaine dégringolade, hein. Merde. Bon sang, cet endroit est vraiment en train de s'écrouler. Il faut trouver un moyen d'atteindre le noyau. Si seulement on avait une carte. Ils nous embêteront pas si on les laisse tranquilles. Je vais désactiver ce champ et... Mince, je ne peux pas le désactiver. Quelque chose... C'est ce stalker. Il l'active de l'autre côté. On n'a pas le temps de chercher un autre chemin. Comment allons-nous passer? Des lamineurs. Ça nous aiderait à sortir. Vous voyez où vont les lamineurs? Je sais comment en utiliser un ici. À réinitialiser le système de ciblage. Un peu de courant où il faut, et il est de notre côté. Passez-le-moi, je vais travailler dessus. Il est plus instable, mais il aura le temps de détruire les stocks. Ok. On peut passer maintenant. Allez!
bizarre. Ça, c'est de l'instabilité. Je crois qu'on ne devrait pas rester par ici. Faites quand même super attention parce que c'est hyper violent. Avant, il y avait quand même moyen d'un petit peu s'en défaire, mais maintenant, c'est... Non. Dès que t'es dedans, c'est fini. Thank you.
Je crois que ça y est, Gordon. Attention. Je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il traîne par ici? On dirait qu'il voulait faire exploser le réacteur à tout prix. Pourquoi? Dr. Kleiner avait raison. Essayons de passer par la salle de contrôle. L'ascenseur est à l'entrée du noyau. Voyons si je peux le faire revenir jusqu'ici. Ces mesures sont vraiment très élevées. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard pour réactiver le champ d'encerclement. Heureusement que vous savez ce que vous faites. Eh bien, voici votre ascenseur. Gordon, je voudrais pouvoir en faire plus. Dépêchez-vous. Attention, menace radioactive détectée.
Et la dernière, il faut la placer à partir d'ici. Sinon, on peut pas prendre l'ascenseur et remonter. L'encerclement est en place. Ça va pas durer longtemps, mais on va gagner du temps. Pendant que vous étiez parti, j'ai fouillé dans les données. Ils voulaient amorcer une réaction en chaîne. La destruction de la citadelle n'est qu'un effet secondaire. Maintenant qu'on a détruit le réacteur de Breen, c'est leur seul moyen d'envoyer une transmission chez eux. Je ne sais pas ce que contient la transmission, mais c'est si important qu'ils veulent sacrifier la citadelle pour l'envoyer. Il faut tout de suite l'envoyer à mon père et au docteur Kleiner. J'ai téléchargé une copie. Je sais pas ce que c'est, mais je crains que ce soit de mauvaises nouvelles. Il y a autre chose. C'est Judith. Jetez un œil. Je suis presque sûre d'avoir trouvé l'emplacement du projet. C'est difficile d'estimer ce qui a survécu ou s'il reste quelque chose qui pourrait compromettre notre travail. Si le cartel le découvrait... Il faudra regarder cela plus près, bien sûr. Mais je serai capable de vous en dire plus d'ici quelques heures. Si le site est là où nous pensons, il doit se trouver à peu près... Je vais abréger. On nous a peut-être repérés. Où peut-elle bien être ? Elle a de gros problèmes. Il faut amener ça et la transmission à papa. Il saura quoi en faire. J'ai copié la transmission. Et elle est là. Maintenant, on fiche le camp. Oh oh. Je crois qu'ils l'ont détecté. J'ai trouvé un ascenseur. C'est par là. Allez!
Je sais pas ce qu'il y a sur cette copie, mais le fait qu'on l'ait leur plaît pas beaucoup. Vous savez, finalement, ce n'est pas... Oh non, c'est rempli de stalkers. Maudit cartel. Voilà ce qui arrive si vous résistez. Ou si vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. J'espère que vous avez oublié qui vous étiez. Ok. Voyons voir où va ce train. Avec de la chance, on aura quitté la ville avant qu'il ne soit trop tard. Dieu merci, nous ne sommes pas à pied. J'espère que le pire est derrière nous. Vous nous avez encore sauvé la vie. Et qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu ! Approchez-vous ! Une minute. Je dois reprendre mon souffle. Ok. Eh bien... ça risque d'être plus dur que ce que je pensais. On est tous dans la même galère maintenant. Il faut marcher jusqu'à la gare. Allons vers la surface. Votre lampe torche. Il faut ouvrir cette porte. Hey, une conduite d'air. Il paraît que vous les aimez bien. Le docteur Kleiner m'a raconté que quand il s'enfermait dehors, vous faisiez la course avec Barney pour ouvrir au plus vite son bureau sans la clé. Un pistolet ? Ils arrivent.
Des fourmilions ? Le champ de défense du cartel ne doit plus fonctionner. Normal s'il tirait son énergie de la citadelle. Un train de transport de troupes. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un zombie du cartel. C'est un zantel, non ? Les zantels, vous avez compris ? Ok. Merde ! Faites gaffe, il a une grenade ! On va bien gentiment les laisser venir.
Ici, ne perdez pas trop de temps à vous battre, essayez plutôt de vous focus sur les points d'arrivée des fourmilions. Je peux les tuer plus facilement si vous les tournez. C'est mieux, je m'en compensais maintenant. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook pour vous tenir au courant, et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce, à plus tout le monde, et bon frag.